pas mon téléphone et voilà. J'arrive pas à parler, je sais pas comment je vais. Deux là. Bon, t'es prêt pour dire le bonjour à tous, t'es fou de ma gueule? Mais je fais pas comme ça! Bonjour à tous! Je suis pas, je prends pas pour Mulan! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on vous retrouve avec Laura pour une nouvelle vidéo. Oui, the best, hein, quand elle est pas chiante. Et je suis jamais chiante. Et donc du coup, pour cette nouvelle vidéo, on va faire la vidéo Crazy Girl, je peux le dire. Crazy Girl. Friend tag, vas-y dis-le. Crazy little... Non. Tag, j'arrive plus à parler à ce temps. Crazy girlfriend tag. J'arrive plus à parler à ce temps, ça sert à rien. Bon bref, le tag de la meuf de... Il peut pas quoi. Et donc c'est le tag que beaucoup de monde a fait en ce moment, enfin les nanas en tout cas. On aurait voulu le faire avec nos mecs, mais bon, ils veulent pas montrer leur tête, ça aurait pu être drôle. On va le refaire un jour si jamais ils acceptent. Donc du coup on va commencer tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de temps, beaucoup de place et puis voilà. Et donc du coup c'est parti. Donc on va raconter toutes les deux. Alors du coup la première question c'est, peut-il avoir une meilleure amie? Oui si c'est Mathilde, c'est mon nom. Moi, oui, enfin non. Personne. Oui, enfin, non. Non, même pas moi. Non, mais. Bah, si, mais pour moi, meilleur ami, c'est comme toi et moi. C'est-à-dire que, genre, ça veut dire qu'il sortirait avec toi, qu'il irait au restaurant avec toi, qu'il irait faire du shopping avec toi. Enfin, faut comment que tu sois. Bah oui, mais donc. Faut que je sois là, forcément, je serais là. Mais oui, mais donc, voilà, je suis ta meilleure amie. C'est-à-dire que je pourrais pas être. Enfin, j'irais pas, je sortirais pas seule avec lui et tout. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça, meilleure amie. Mais non, que avec toi et mais que je suis là. Oh, d'accord. Que avec toi et moi. Donc, non. Mais sinon. C'est moi sa meilleure pote en fait, y'a pas de. Bah à la limite, s'il avait eu une meilleure amie avant de le connaître. Ouais, mais non, ça me ferait chier. Mais ça se serait estompé avec le temps, elle aurait dégagé comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est moi sa meilleure amie en fait. Voilà. Il en a pas besoin sinon. Donc, ouais. Donc non. Non. Alors, peut-il commenter et liker des photos d'autres filles? Alors, ça dépend qui? Ça dépend dans quel contexte. Si c'est Selena Gomez ou Emily Ratache Machin, poète là, ça passe encore. Mais juste liker. Pas d'avoir. Juste liker. Par contre, les autres, non. Il like pas, il peut liker ma photo, moi. Ah! Mais que si je suis dessus? Genre, il like mes photos. Mais je sais. Bah voilà, mais ça, tu t'en fous. Oui, non, je m'en fous. En fait, non, je m'en fous. Ça dépend dans quel but. Voilà, après. Il est commenté, t'en fous, moi, quoi. Il commence pour se de ma gueule, alors c'est pas très grave. On s'en bat les couilles, c'est vraiment non, non, parce que ça veut dire qu'il n'apporte pas d'intérêt à la personne. Sauf si c'est ses potes et que, genre, il va pas mettre un commentaire du style t'es belle ou un truc comme ça. Ouais. Vois. Bah, moi, le liker, ouais. Ça dépend. Bah, s'il like les photos de Laura ou de potes à lui, comme ça, de gonzesse, ça dépend quel genre de photo en fait. Non mais parce que je sais qu'il a, s'il y a certaines potes qui montent je sais pas leur cul ou un truc comme ça, ouais, ça va me gêner. Ça, et si c'est commenté, faire les mannequins, tout ça, non, tu likes pas, tu commences pas. Ouais, non ça. Oh, puis de toute façon il le fait pas. Déjà il a du mal à le faire avec les miennes. C'est limite il les commande. Donc s'il le fait pour d'autres, enfin non merci, il m'en fait plus que ça. Attends. La blague. Franchement, en fait, on se tape des barres. Il peut liker les photos de sa mère, y a pas de problème. Et sa soeur, sa cousine. À la limite. C'est tout. Une petite question croustillante. Peut-il porter les cadeaux de son ex? Non, pas clairement que non. Même genre si je sais pas, lui a offert un sweat ou un truc comme ça. Des chaussures? Non. Même des chaussures à 500 euros, tu vois. Je m'en fous. Il me les donne et je les jette. Ou je les donne à mon frère. Moi, je sais pas trop. Bah, en fait, si c'est un bijou, non. Parce qu'un bijou, c'est vachement personnel. Quoi. Bah ouais. Mais j'ai envie de dire à la limite, enfin si c'est des baskets ou un truc comme ça, bon, je veux dire, moi il y a des trucs que j'ai encore porté. C'est des coups de cul les baskets. Non mais il y a des trucs que tu vois, genre, je sais pas, un Alex m'avait filé un sweat, enfin c'était un sweat que je mettais pour traîner, je pensais même pas que c'était. Au bout d'un moment c'était mon sweat quoi. Ouais. Après ça dépend, ouais, ça dépend quoi. Un cadeau, mais après c'est plus. Tu vois. Ouais, c'est pas faux, je l'avais plus piqué d'ailleurs. Donc c'était plus ça. Ouais donc sinon non en fait. Voilà. Ça dépend ce que c'est mais sinon non, on va dire non. Ou alors il me dit pas que c'était son ex qui lui a offert les chaussures, je sais pas. Ouais, c'est tout. Peut-il être ami avec son ex? Non. Même pas en rêve. Même son ex de quand ils avaient 2 ans et demi en fait. Bon, bah même la meuf que t'as plaquée derrière la cabane de la cour là non, ok. Même si t'as plaqué parce qu'elle a piqué ta sucette et ben c'est mort, ok, on n'en veut pas. Non c'est mort. Non, il n'y a pas de cette personne, ces gens, non. Cette personne n'existe plus. Elle ne fait plus partie de ce monde. Voilà. Au revoir. Il y a pas d'autres explications. Il y a pas d'autres explications. Ah oui, on s'en bisous.
Alors, je mettrai ça pour l'ex de mon mec. Si tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, que fais-tu? Question la plus pour toi, je pense. Parce que moi, en sachant que j'ai son code et tout, et que lui il a le mien, j'irai. Et qu'on laisse nos téléphones comme ça et on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je peux avoir son téléphone entre les mains en fait. Donc en soi, ça m'est déjà arrivé de fouiller, mais juste parce que je suis comme ça, ça m'est déjà arrivé de regarder. Parce qu'il y a des moments où tu sais, je peux être chelou par curiosité. Mais en soi, sinon, moi, j'ai aucune raison de le faire puisque je peux absolument tout fouiller quand je veux. Puisqu'on a les mêmes codes et que je peux, moi je laisse mon téléphone. La seule unique fois où moi, par exemple, j'ai pas laissé mon téléphone, c'est parce que je faisais une surprise pour son anniversaire. Et donc du coup, j'étais non-stop avec mon téléphone comme ça. Il se demandait ce que je foutais d'ailleurs. Patouche, minouche. Mais lui, sauf si je trouve ça chelou et qu'il y a des moments où je trouve qu'il est trop sur son téléphone et tout, mais sinon, non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, c'est tout le contraire. Moi, je laisse mon téléphone traîner, nanana, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Par contre, lui, il ne supporte pas qu'on regarde son téléphone. Alors, quand je regarde comme ça ou. Non, il supporte pas. Mais t'as même pas son code en plus. Non, je peux pas. Ouais, voilà. Je l'avais une derrière, mais je sais plus. Il a changé. Ah bien. Et qu'est-ce que je ferais? Bah déjà, je ferais des selfies de moi. Nu. Non, pas nu. Genre nu comme ça. Juste ma tête, parce que j'aime bien faire des photos ridicules. Vous allez tout voir dans mon Instagram. Ah, moi aussi, j'ai fait Instagram. Non, c'est pas. Après, je sais pas. Ouais, honnêtement, pour être honnête, je pense que je fouillerais un peu. Je sais pas quoi, je sais pas où, mais je fouillerai un peu beaucoup. Tiens, très vite. Bah j'ai 2 minutes, alors déjà 1 minute. Ouais, bon, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je veux dire, peu importe, tu l'as quelque temps. Non, je vais juste regarder vite fait, genre les messages, qui lui envoie des messages, je sais pas. Ouais, je suis ouais ce qu'ils se disent un petit peu, et puis tu cliques sur des noms. Mais voilà, c'est pas parce que je fais pas confiance, c'est juste parce que je suis curieuse, et pourquoi il veut pas que je connaisse son code, et voilà. Ouais, donc tu fouillerais quoi. Ouais. Peut-il rester au téléphone avec une collègue? Il a pas de collègue fille. Mais, en fait, c'est admettons. Comme s'il était avec son collègue, c'est exactement pareil parce qu'il reste genre 1h30 au téléphone avec lui à chaque fois. Mais une femme. Alors qu'on est au lit, parce que c'est normal. Une femme, non. Déjà, c'était bien, c'est un mec. Non, mais oui, non. Non, mais voilà, mais une femme. Non, mais reste pas, je au téléphone et tout. Non. Alors, si ça parle au travail, oui. Mais si j'entends. Vous êtes au travail, vous parlez au travail, et en dehors, c'est moi, quoi. Enfin... Oui, bah oui, mais si j'entends qu'à côté, ça commence à parler de travail, non. Pareil, je te prends ton téléphone, tu te coupes. Mais ouais. Si c'est d'autres travail, je m'en fous. Mais il a pas de collègue, ça c'est réglé. Bah, moi en général, il en a, mais il a aucune raison d'être au téléphone avec. Donc, ce serait un petit peu bizarre quoi. Vraiment, ce serait chelou. Puis j'aime pas être au téléphone. Ah bah, moi putain, moi aussi. Hein. Merci d'arrêter. Une bonzesse. Alors, ensuite. Petit message caché. Alors, ça, celle-ci. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille, que fais-tu? Merci de ne pas faire ça, c'est bon. Je ne viens pas. Mais moi, je ne viens pas, mais je pète un plomb. Je pète un plomb, mais je viens pas. Bon, ouais, bon, ce serait limite possible que ça arrive alors. Les ovaires bon, ce serait limite possible que ça arrive alors. Voilà, bah, tu ferais. C'est une question pour toi. Là. Ah, mais je pèterais un plomb. Bah, en fait, c'est un gros manque de respect. Ah, bah, c'est je trouve que c'est un très gros manque de respect. En fait, à partir du moment où déjà il y a des choses qui ne sont pas, bon, bref, c'est autre chose de ma vie. Mais oui, mais de convier à une réunion de famille bah, son ex, en fait, c'est un manque de respect. Jamais de la vie, moi, ma famille, elle ferait ça, en fait. Enfin, c'est moi, aujourd'hui, qui suis avec lui depuis quand même 3 ans, alors il ne manquerait plus que ça. Surtout que t'es bien, c'est bien. Ouais, mais non, mais en plus, mais c'est pas la question, mais genre, bah, c'est, mais il manquerait plus que ça. Mais pour moi, ce serait un très, très, très gros manque de respect. Et je pense que ce serait rayé tous de ma vie définitivement, genre c'est même pas la peine. Ce sera just bye bye quoi, vous voulez l'ex, bah restez avec l'ex, hein. Moi je reste pas dans le passé, vous restez dans le passé. Bah... Donc en résultat, on pète un câble, on ne vient pas, et next. Ouais, après lui Kylian il ferait ce qu'il veut, tu vois, s'il veut voir sa famille, mais moi c'est terminé. En fait à partir de ce moment là, c'est un manque de respect, on me respecte pas, c'est bon quoi, adios. Quand ça vient de la famille quoi. Bah c'est non, enfin... Voulez-vous que je fasse une crise cardiaque? Que fais-tu s'il parle toujours à la mère de son ex? Bah je vois pas pourquoi il lui parlerait. Il a pas le droit de parler à son ex, pourquoi il parlerait à sa mère? Bah je trouve que ça dépend. Si toi, admettons, tu vois, si tu avais des bons contacts et tout avec la mère de ton ex, qui venait juste te demander des nouvelles, est-ce que tu lui répondrais ou pas? Bah si elle me demande des nouvelles, oui, bonjour, je vais bien. Ouais, mais toi qu'elle te parle pas de ton ex, quoi. Mais voilà, enfin... Ouais, voilà. Qu'elle me parle pas plus que ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Des nouvelles, ok, de toute façon. Si jamais... Bon, moi, je sais très bien que ce sera pas le cas, mais si elle lui demandait juste comment ça va, et pas lui dire, ah bah tiens, tu veux... Non, mais voilà, c'est sûr et certain que ce sera pas le cas, tu vois. Mais si ça arrivait, enfin, et qu'elle lui disait juste, bah comment vas-tu, machin, bon, ok, enfin, à la limite, je m'en fous. Et après, si ça allait en mode... Oh, tu devrais retourner avec ma fille ou un truc comme ça. T'es qui? Quelle fille? T'es une fille?
Non, enfin. Pour si des nouvelles, juste... oui, pour. Si c'est juste ça, et puis si c'est ça, genre deux fois par an, quoi. Faut pas exagérer, ouais, c'est tous les jours ou tous les mois, même. Non, mais. Bonne année, t'envoies pas bonne année à des gens qui parlent pas, ça sert à rien. Non, mais faut pas exagérer, quoi. Bon, bref. Bonne année, cas, bonne santé, à Joyeux Noël. Noël. Bref. Joyeux Pâques. Non, c'est déjà trop, pardon. Alors ensuite, peut-il danser avec une autre fille? Si c'est sa mère, oui. Si c'est sa sœur, oui. Si c'est sa grand-mère, oui. Si c'est sa petite sœur, oui. Si c'est sa cousine, et encore, faut que ce soit la cousine Germaine. Si c'est sa demi-sœur, oui. Non. Si c'est sa tante, oui. Et encore, pas une tante trop perverse quand même, parce que ça peut devenir limite-limite à ce moment-là. C'est l'arrière-grand-mère, si c'est moi, oui. Si c'est ma mère, oui. Sinon. Ah ouais, sinon personne. Surtout pas. De toute façon, il danse pas en plus, moi. Attends, déjà il danse pas. Non, mais déjà il danse pas. Déjà, c'est très très rare qu'il danse avec moi. Donc, s'il danse avec une gonzesse, même si c'est juste lui tenir les mains comme ça de loin, même si c'est juste la petite danse bretonne comme ça avec les petits doigts là, même ça, c'est non. Même le temps qu'il chante, même le temps. On danse pas, ok, tu restes assis sur ton banc, tu le bouges. Tu danses jamais, donc là tu restes assis, tu pars ta bouche. Faut bouge pas, yeah. Non mais oh. Pas pousser le bouchon non plus, Maurice. Oh. Ça va pas ou quoi? C'est ma propriété. Ah non, c'est ma chose. Ça va, c'est une chose, c'est un truc. C'est mon truc. C'est mon kiki sur patte, non. Putain. Le compliment. Bon, après, on a rajouté quelques questions. Je sais pas, trois, je crois. On a rajouté trois questions bonus pour ce tag. Donc, c'est parti. Moi, j'avais mis peut-il sortir avec une autre fille, du genre ciné, resto, soirée, balade, café, shopping, machin. Enfin, bref, un truc qu'on pourrait faire entre copines ou entre potes, mais genre avec que lui fasse ça avec une autre fille. Bah, il le fait et ça me gêne pas. Du moment que c'est pas. C'est même certaines personnes. Je te reconnaîtras. Moi non. Ah, mais moi c'est mort. Non, je m'en fous, je fais confiance. Ah, mais moi, mais c'est mort en fait. Non. En fait, il fait ça avec moi, il fait ça avec personne. Déjà, il a du mal en ce moment à faire ça avec moi parce qu'il travaille et tout. Ah non, c'est mort. Moi, c'est même pas la peine. Je vois pas qui pourrait faire ça, donc. Bon. Plus que ça, mais ça va pas ou quoi? On va aller au ciné, allez kiki. En route. Ah, ma bite. En plus, ciné. Quoi, ta bite? Ah bah, t'as vite comme ça en public. Non mais attends, je te permets pas, okay. En plus ciné, je trouve ça vraiment vraiment. Enfin, je sais pas, à moins que vous ayez faire du shopping pour acheter ma merveilleuse bague de mariage. À part ça, c'est niette, ok? C'est niette. Ouais, mort. Non, je sais pas. Les dans le ciné, ouais, ouais, je m'en fous. Non, c'est mort. Sauf si elle est lesbienne, non. Si elle est lesbienne, je veux bien, puisqu'il aura aucune chance. Et elle aussi, du coup, enfin, elle en voudra pas. Donc, du coup, il y a pas de problème. Mais sinon, non. Ouais. Mais faut que je les connaisse, par contre. Attention. Meurs tranquillement, je suis pareil. Ouais, mais c'était, après, c'était des potes aussi qu'il avait avant. Oui, de connaître. C'est pas ça, mais j'aime bien. Bah ouais, mais donc ça, c'est pas pareil. Je les connaisse aussi, tu vois. Mais tu vois, si dès le début. Vas-y, sors avec machine alors que. Non, mais parce que si dès. Parce que. C'est dès le début, tu vois. Il avait eu des potes comme ça, il avait fait ça avec des. Oui, par contre, si c'est des potes qui arrivent en cours de route, non. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est pas une pote. C'est-à-dire que c'est. Tu vois, il a vite fait des potes gonzesses qu'il aime, mais en soi, il les voit pas et tout, et dès le début, il a pas fait des trucs comme ça. Donc si là, d'un coup, il disait, vas-y, je vais au resto ciné, avec une autre meuf. What? Je crois pas. C'est qui? À quel moment? C'est ta mère? Non. Bon, bah alors tu vas pas. Non, c'est ta cousine? Non. Bah, c'est sa grande-tante? Non. C'est ma mère? Non. Bah alors non. Au revoir, adieu. Ensuite, juste et simplement parler à une autre fille, est-ce qu'il peut? Faut pas que ça se sert. Bah il peut parler avec une autre fille, puisque tu dis que tu veux bien qu'il aille au ciné et tout, donc il parle à la meuf. Il dit bah oui, il va juste au ciné avec la meuf. Non, bah oui, s'il sort avec ses potes, il peut leur parler, mais. Sauf quelqu'un. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Je m'étouffe pour te prendre. Mais ouais, moi tout à l'heure, je suis au bout, je suis encore malade. Non, oui, si, il peut parler à ses potes. Mais pareil, si c'est une pote qui arrive en cours de route, non, c'est marrant. Sinon, juste à parler à des gonzesses comme ça, genre parler à des gonzesses comme ça. Genre une gonzesse comme ça sur les réseaux sociaux, qu'il connaît pas, qu'il a jamais vu. Ouais, mais surtout qu'il est du genre à faire ça, pas avant en tout cas. Enfin, non. Il peut pas, mais ça lui est arrivé. Puis, il parle, non, mais il parle à beaucoup de gonzesses en plus, c'est beaucoup, soi. Non, il parle à ses potes, c'est tout. Mais il y en a beaucoup. Tu veux qu'on fasse une liste? Bah, moi, oui, ça dépend de quoi il parle, mais. Bah, il peut, mais ça dépend qui comme gonzesse, quoi, oui, effectivement. Oui, ça dépend du sujet aussi. Si c'était une de ses potes et tout, même d'avant qui revient prendre une nouvelle. Si c'est sa mère, oui, si c'est sa soeur, oui, si c'est dans la. Tu dirais que la nana, elle dit ça va bien avec Mathilde, qui parle de moi, y'a pas de problème. Si c'est juste salut, tes mots.
porte, elle est là. Mais c'est un militaire, donc du coup, c'est pour ça que ça passe bien. Ouais, encore plus. Peut-il. Attends, genre, en fait, il y en avait quatre des questions. Peut-il partir. Quoi? Mytho. Quoi, Mytho? T'avais dit trois. Bah oui, on est mal condamnés et tout, on est là, ouais. Bon, peut-il partir en vacances avec une autre fille? Non! Non! Si c'est pareil. Si même pas si t'es avec ton meilleur pote. Si c'est sa mère. Non! Si c'est sa mère, oui. Non. Faut pas qu'elle tourne sur cette vidéo, sa mère. Non, je rigole, sa mère est la drogue, en plus il l'a fait. Je suis la psychomane, t'as le droit de partir en vacances avec ta mère, c'est une femme, ok? Sa sœur est de droit, sa grand-mère est de droit, sa grand-tante est de droit. Ah bah sinon, alors là, donc je vois pas pourquoi partir avec ma mère. Déjà, on a du mal à partir en vacances tous les deux. Mais non. On est allé qu'une fois par an. Et ça, il le sait très très bien que non. Non, 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 non. Sa fille plus tard, c'est tout. Et encore. Si elle est pas trop trop belle. Malade. Mais c'est ta fille aussi. C'est bon, pervers. Bon, ensuite, dernière question, peut-il sortir sans moi? Bah oui. Ça rejoint un petit peu le truc sortir avec une gonzesse en fait. Enfin, sortir sans moi, ça peut être avec des mecs. Sortir avec ses potes mecs, peut sortir avec ses potes filles. Ouais, du moment qu'il me le dit. Je m'en fous. Bah moi, sortir avec des filles, non. Cindy, oui, mais ce qu'il fait, ce qu'il mange et qui il est, on m'en fout. Moi, sortir avec des filles, ça n'a aucun intérêt, il le fait pas, donc je vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Après, par exemple, hier midi, il a bouffé avec ses collègues, et il y avait une gonzesse. Ouais, il y a des mecs. Non, non, non. Donc, et après, sinon, sortir avec des potes, sortir avec son cousin, sortir... Même tout seul. Sortir avec des collègues et tout, parce que c'est un peu bizarre, ça, quand même. Bah, écoute, ça, il peut le faire. Il a envie d'aller s'acheter un truc, je sais pas. Mais... Ouais, ou alors... S'il veut aller acheter du pain. Ah oui, sortir avec lui, bah, la dernière fois, il est allé au sport avec lui. La dernière fois, je pense en moi. Oui. Bon, il va mater peut-être des petits culs, hein, oui, qui squattent et tout. Bon, s'il veut, ça, à la limite, si je le savais, je le tuerais. Mais là, je le sais pas, tu vois, je le vois pas. Donc, à la limite, c'est pour ça qu'il le fait. Donc, ça, jamais. Ah, pff, c'est un mec, c'est ouais, mais il est pas comme les autres. Excuse-nous. Excusez-moi, j'ai trouvé la parole. Je croyais que t'allais te dire que je fumais le shit et que je. C'est un mec, forcément, il va regarder un petit cul par-ci par-là. Mais non, la discrétion. Non, il regarde que mon petit cul, ou il regarde le sien dans le miroir, mais pas le côté des deux. Oh mon cul. Non, mais attends. Oh, il est beau aujourd'hui. Il me dit j'ai envie de regarder un cul, je lui montre mon cul, il me dit bah c'est beau, il est déjà. Mais qu'est-ce que je te dis quand tu veux regarder un cul? Je peux mettre un cul aujourd'hui. Je te le dis juste si jamais il avait envie, il me demande et puis voilà. Ah, là, trop drôle. Bah non, mais il est assez gros mon cul pour qu'il ait pas besoin d'en regarder un autre, quoi. Bah, je sais pas, ça vaut pour 10, c'est bon. Tiens. Attends, j'essaie de me forcer à pleurer. Ça marche un petit peu. Tu vois un oignon? Non, 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 ça pique trop les yeux. Ça marche un petit peu. T'as d'autres questions? Bah non, sinon ça va, toi? Ouais. Et on les a bien glacés là. Est-ce que on a bien mis les choses dans l'ordre là. On va leur envoyer cette putain de vidéo. Ah merde, il est sur son lit. Il va pouvoir la regarder. S'en fout, il est là. De toute façon, il la regarde. On va leur envoyer, on va lui envoyer. On va la spammer là. Bam bam, on va envoyer la vidéo. Regarde bien cette vidéo, ok? Ça, c'est le droit de qui est patron ici, ok? De toute façon, s'il répondait aux questions, il répondrait exactement la même chose, même pire. Je sais pas. Il ferait le mec. Ouais, non. Non, je m'en finis, moi, parce qu'elle veut sortir avec plein de mecs. Coucher avec plein de mecs. Voilà, mais pas de photos comme ça. C'est le pire. Ça, c'est le pire. Vaut mieux coucher avec un mec que de mettre une photo. Est-ce qu'il a le droit de mettre une photo torse nu? Non. Par une séquence, c'est bon. Bah, on a fini, là. Bah, voilà, il a le droit de rien faire. Il a le droit de manger, dormir, manger, faire dormir. Caca. Ah, faire caca. Bon, remanger, redormir. Faire caca. Te faire des papouilles, un massage. Parce qu'il fait t'offrir des fleurs par jour. La vie du caca de son mec. Non, j'amuse deux fois, quand même. Mais c'est quand même beaucoup, deux fois. Bah, ouais, c'est beaucoup, normalement, c'est une. Bah, je sais pas. Sauf si t'as la diarrhée. Ah, le truc dans les yeux depuis tout à l'heure, j'en ai marre. Eh bien, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. On espère que ça vous a plu et on espère que vous êtes d'accord avec nous. Même si on sait qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui sont. On va faire un sondage, répondez-vous. Question 1, 2, 3, 4, 5. 10, 20, 30, 40, et vous dites oui, non, oui. De toute façon, il y en a, ils font genre, ouais, non, ouais, qu'elle doit tout faire. Vous êtes des petits dévergondés. On est toutes pareilles. Ouais, non, il y en a plein qui disent que non. Non, ça dépend du caractère, déjà. Ça dépend des expériences. Aussi. En tout cas, on espère vraiment que ça vous a plu. Puis on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très très vite dans une prochaine vidéo. T'as fait quoi? T'as fait encore de la merde en faisant un bisou? J'ai soufflé mon bisou ici. Tu peux faire un petit bisou maintenant. Ciao. Ciao. Non, on est pas content, tu vois. On met juste ça comme ça. Tu fais en mode, tu le défonces comme ça. Hein.